Des bactéries de synthèse peuvent-elles aider à prévenir ou traiter des maladies respiratoires comme le Covid-19? Des chercheurs européens ici au Centre de régulation génomique à Barcelone travaillent depuis des années sur des vaccins synthétiques qui pourraient au final permettre de freiner le coronavirus. Les scientifiques installés ici participent à un vaste projet de recherche européen qui a pour objectif d'élaborer des vaccins dits intelligents contre les maladies respiratoires, d'abord chez les animaux d'élevage, puis chez l'homme. Au cœur de leur étude, la bactérie du genre Mycoplasma qu'ils ont transformée grâce à des techniques de pointe de biologie de synthèse. La même méthode pourrait être reprise pour développer un vaccin contre le Covid-19 en utilisant les protéines du virus comme antigène. L'une des stratégies consiste à utiliser ces protéines des virus comme vaccins pour entraîner notre système immunitaire à produire des anticorps. C'est ce qu'on appelle les vaccins recombinants. Donc, quand le virus apparaît, le système immunitaire sera capable de bloquer le virus et de l'éliminer. Mais les défis sont immenses. C'est un processus long et coûteux. Et parfois, on a affaire non pas à une seule protéine du virus, mais à de nombreuses protéines différentes. Des bactéries de synthèse non pathogènes élaborées ici ont en effet été conçues pour stimuler la réponse immunitaire des animaux d'élevage. Dès l'instant qu'un organisme simple est connu et créé, le langage universel de l'ADN permet d'envisager d'autres applications biologiques. Nous avons été capables d'exprimer des anticorps, des molécules qui stimulent le système immunitaire et des enzymes. Nous pouvons tuer d'autres bactéries et même tuer des bactéries qui infectent les poumons humains. Aujourd'hui, l'idée, c'est d'être capable d'exprimer les protéines du coronavirus sur cette même bactérie. Ces protéines pourraient au final se lier aux cellules des poumons humains et empêcher le virus d'entrer dans les cellules humaines. Transformer les bactéries en alliés du système immunitaire nécessite au préalable de les camoufler à l'intérieur de l'organisme. C'est essentiellement possible en modifiant le génome de la bactérie. Pour y parvenir, ces scientifiques bordelais, partenaires du projet, ont opté pour la levure. Puisque dans la bactérie Mycoplasma pneumoniae, nous n'avons pas beaucoup d'outils pour produire ce génome modifié, nous l'avons associé à de la levure. Dans la levure, il existe de nombreux outils intéressants qui nous permettent de modifier ce génome. Donc en utilisant la levure, nous sommes capables de retirer ces mauvais gènes et d'insérer celui que nous voulons garder. Donc en gros, la levure va construire pour nous, en suivant nos directives, un nouveau génome que nous appelons un génome synthétique qui en gros n'a que les bons éléments que nous voulons avoir pour notre vaccin. Concernant le coronavirus, l'équipe du projet estime que son savoir-faire en matière de biologie de synthèse pourrait générer des résultats significatifs dans certains champs d'études d'ici 18 mois environ. Le Covid-19 est là pour rester, il ne va pas disparaître, il va se comporter comme la grippe saisonnière. Nous aurons besoin de vaccins chaque année, nous aurons besoin d'avoir des outils pour combattre l'infection quand on est atteint. Et notre approche peut fournir quelques-uns de ces outils.